Regardez juste le vent, comment il souffle. Mais à 5h du matin, genre vraiment les palmiers faisaient tac, 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 tac. On n'a voulu pas prendre de risques. Bon les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai bien dormi. Là j'étais censée être en France à cette heure-ci, mais j'ai joué la carte de la précaution parce qu'il y avait une tempête cette nuit. Là ça continue un peu à souffler, mais c'est beaucoup moins grave qu'à 5h du matin. Quand on s'est réveillé à 5h du matin, manque de sommeil, il faisait nuit parce que voilà, c'était le matin, le soleil s'était pas levé. Plus la tempête, genre moi et Jamal on s'est regardé à 5h du matin, on a dit tu te sens de conduire, l'autre il s'est dit tu te sens de conduire, et nous deux on se sentait pas genre... On sait jamais avec les camions sur l'autoroute et tout, la voiture ça ne pardonne pas. Donc on s'est dit bah vas-y on modifie le billet et on prend aucun risque quoi. On prend aucun risque et on partira quelques heures plus tard. Donc on va décoller tout à l'heure vers 18h parce qu'il faut qu'on rende la voiture de location. Donc voilà. Les filles, je vais vous faire le haul My Abaya. Vous savez que c'est une marque que j'aime trop, 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 trop. J'ai tous les ensembles des Jilbab, tous les ensembles aussi de Abaya avec le Kimar intégré. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez le Kimar, les filles, et c'est deux pièces, mais qui sont vendues ensemble. Et c'est super bien parce que vous pouvez l'attacher derrière comme ça et bien le serrer. Donc là, j'ai pris cette couleur qui change beaucoup. D'habitude, je prends des couleurs neutres comme le noir, etc. Mais là, cette couleur saumon comme ça, je trouve qu'elle est super belle. Donc voilà pour la première tenue de chez My Abaya. Je la trouve vraiment magnifique. Alors ensuite j'ai pris cette abaya, mais regardez les filles comment elle est super élégante. Moi franchement c'est des tenues que j'aime vraiment trop porter. La dernière fois quand je suis passée au H&M, j'avais porté une similaire comme ça en vert kaki. Elle est vraiment canon, vous m'avez toutes bombardée pour avoir la référence. Donc regardez celle-ci avec les détails comme ça, vous voyez il y a une petite doublure ici, franchement elle est belle en beige comme ça, elle est vraiment très 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 belle. Je trouve que ça c'est hyper classe avec une paire de chaussures, soit une paire de mules, soit une paire de claquettes, vraiment c'est très élégant. Alors celle-ci c'est ma préférée, j'aime trop trop trop, donc c'est un ensemble, vous avez la robe comme ça et là vous avez la abaya qui est semi-ouverte ici. Alors celle-ci, cette couleur j'aime trop, je trouve que c'est trop élégant, c'est vraiment trop classe. Bon, avec un sac, mais bon, moi aussi ce sac il m'a saoulée parce que j'avais que ça pendant les vacances, avec un sac un peu plus petit, magnifique. Cet ensemble, je vous l'avais déjà présenté en une autre couleur, je l'avais pris en taupe. Donc en fait, c'est un ensemble, abaya. Donc soit vous pouvez le porter comme ça, mais en fait, ça, les filles, c'est un voile intégré. Ça veut dire qu'il est déjà dessus. Ça veut dire, hop, vous attachez vos cheveux comme ça. C'est super pratique, je trouve. Et le voile, il est directement intégré. Donc je trouve ça hyper pratique. Donc je l'ai pris en vert kaki comme ça. Donc bien évidemment, bien l'attacher avec une pince, etc. Mais je trouve ça vraiment très très pratique. J'ai le même en taupe et là je l'ai pris en vert. Ensuite sur My Abaya toujours, j'ai pris ce petit ensemble, alors avec la petite veste costume comme ça et le pantalon qui va avec, patte d'éléphant, bien taillé, franchement hyper confortable, mixé avec une petite paire de talons, ça fait très élégant. Cette abaya comme ça marron toute simple, vraiment ça c'est trop pratique, tu sais pas quoi mettre, tac tac, claquette, chaussures, vraiment trop pratique. Elle est comme ça, les petites finitions, c'est marron comme ça avec des petits traits, trop trop belle.
Pour terminer, j'ai pris cette abaya, alors avec les finitions comme ça. Et là, vous les avez aussi sur les manches, les petits détails brillants. Elle est vraiment magnifique. Le noir, en fait, c'est trop classe. Vraiment, le noir, c'est valeur sûre. Donc, pour terminer, j'ai pris cette abaya. Mais vraiment, la qualité, vous voyez comment c'est fluide. C'est trop classe. Quand tu marches et tout, franchement, rien à dire. Les abayas de chez Maya Adaya, je les trouve magnifiques. Donc, voilà. Bon là les filles, ça y est, on vient de prendre la route, on va déposer la voiture de location et ensuite on va prendre l'avion direction la France. Là, ici on a pris un goûter, on va prendre un goûter au cappuccino parce qu'on a un petit peu d'avance, on est arrivé plus tôt à l'aéroport de Marrakech. Ça a l'air trop bon. C'est la première fois que je viens manger à cappuccino. Pourtant, c'est une adresse connue. On va goûter. Allez, c'est parti. Go, l'aéroport. Ça va, on quitte les bons jours vu qu'il pleut. La pluie dinguerie. Bon, ça va faire du bien. Je pense que j'ai besoin un peu de pluie. J'ai mal. T'es trompée. Je sais pas, tu me fais pitié. Ça y est, on est au sec. Ça fait du bien parce qu'on était trempés, déchets trempés. Et bah vous voyez ça, c'est depuis que je suis enceinte, je fais que des choses comme ça. J'oublie des choses, perte de mémoire. En fait, c'est vraiment réel. Je pensais que c'était juste genre une rumeur, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment, vraiment vrai. Je suis choquée. Ça va, tu m'en veux pas trop? Non, ça va, hein, tranquille. Pas de douleur, faut toujours des femmes de douleur, y'a rien. En train de chercher un hôtel, bien évidemment, il se dit c'est l'occasion de tester l'hôtel de Cristiano Ronaldo. Il aime trop CR7. Mes filles, du coup, on est arrivé, on a réservé au Pestana. Du coup, on aura l'occasion de l'essayer. C'est super beau. Alors, en tout cas, on a fait un heureux. Il est trop content. Ça, je sais, t'as ce qu'il te faut pour tes anniversaires, en fait. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris, c'est quoi que tu kiffes. Je vous fais une petite visite, les filles de l'hôtel. Bon, sachez que Jamal est trop content. Là, on va aux ascenseurs. Et les filles, c'est parti pour un house tour. Waouh, elle est vraiment belle la chambre. Tout comme j'aime, bien éclairée. Là, on a la salle de bain. Et ici, on a les toilettes. Elle est vraiment canon avec la petite suite là. Le petit canapé, c'est super sympa. Enfin, je vais vous parler de la nouvelle gamme de chez Musc Intime, la Sweet Litchi. Alors celle-ci, elle a été faite à la demande des clients parce que c'est une gamme que beaucoup, beaucoup de personnes aiment. Et franchement, c'est une gamme que, la vérité,
Je vais pas vous mentir, j'ai eu mes préférences, donc je me concentrais juste sur mes préférences. Mais celle-ci, depuis que là, ils ont sorti la gamme complète, je n'utilise que ça. Franchement, même Jamel, il m'a dit que sur tout ce qu'il a pu tester en termes de déodorant, vraiment, lui, c'est plus les deux qu'il utilise. Il m'a dit celui-ci, c'est son préféré, c'est le Sweet Litchi. Alors là, ils ont fait la mousse, le déo et le musc qui existait déjà. Dans l'odeur, déjà que je trouvais que le musc blanc, les filles, le classique, je trouvais que ça sentait le propre. Ça, ça sent le propre, mais mélangé au litchi, à la rose. Et c'est une odeur fruitée. Fruitée style framboise, rose, litchi. Alors vraiment, celle-ci, je vous la conseille. Je sais que vous allez grave, grave, grave kiffer parce que moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Pendant les vacances, j'ai utilisé que ça. De toute façon, en termes de mousse, je n'ai pris que ça avec le déo et le musc. Même Jamel, enfin, pour vous dire, lui, il utilise tous mes déos. Et il m'a dit celui-ci sur tous les déos que j'ai, alors que j'ai Monoi, j'ai musc blanc, j'ai mon préféré, le rose mystique. Il préfère le litchi, vraiment le sweet litchi, parce qu'il m'a dit c'est une odeur, elle est trop bien. Donc vraiment les filles, là, à l'occasion de la Saint-Valentin, je trouve que c'est super bien d'avoir le coffret. Malheureusement, je n'ai pas reçu. Ils ont fait quoi? Je suis trop jalouse, tout le monde a reçu, moi j'ai pas reçu les lingettes sweet litchi. Alors moi, je connaissais que les lingettes musc blanc, et là, il y a les lingettes sweet litchi qui sont sorties. Donc ça, je vais commander direct. Ça, vous savez, les filles, c'est une marque. Vraiment, ça fait partie de ma marque numéro. Je vous disais, c'est ma marque préférée. Vraiment, elle fait partie de mon top 3 et elle est positionnée en numéro 1, la marque Musc Intime. C'est vraiment une marque que je conseille à toutes les femmes d'avoir, que ça soit pour le déo, le musc ou la mousse. Alors, sachez que c'est des produits qui sont notés sur Yuka à 95% d'ingrédients naturels, que ça soit la mousse ou le déo. Pareil pour le gel, il n'est pas collant, les filles. Vous vous mettez juste une goutte et ça va vous parfumer, mais tout le corps. Vous voyez là comment ça coule? Et vous en mettez sur les zones chaudes. Donc, c'est soit vous en mettez ici, sur les coudes, derrière les oreilles, dans le cou, sur les cuisses. Vraiment, les filles, ça va parfumer tout votre corps. Vraiment, le musc à la base, ça existe depuis mais des années et des années et des années. Mais ceux de chez Musc Intime, les filles, vraiment, c'est les meilleurs. Parce que niveau concentration de parfum, vraiment, l'odeur, elle va rester, mais toute la journée. Le déo, c'est pareil. Franchement, moi, je pourrais pas vous conseiller autre que déo. Que ça, même la nièce de Jamal, elle a 16 ans, elle utilise que les déos musc intimes, c'est les seuls qui sont efficaces pour elle. Ma belle-sœur, elle commande par l'eau de 6 pour vous dire. Pareil pour la femme de mon frère, elles peuvent plus placer des déos musc intimes parce que c'est les meilleurs niveau odeur, niveau tenue, niveau garantie, vraiment c'est les meilleurs de chez meilleurs qui puissent avoir sur le marché. Soldes sur le site, mais là vous allez pouvoir bénéficier d'une offre en plus de moins 15% supplémentaire avec mon code promo les filles. Si vous voulez mon avis pour la gamme Sweet Litchi, alors quand je vous dis qu'elle fait partie maintenant de mon top 3, je l'ai utilisé avant de vous en parler toutes les vacances, bah ça se voit, mais quand je vous dis toutes les vacances, et vraiment les filles, ça fait partie de ma gamme préférée maintenant. Je comprends les gens qui ont demandé à Musc Intime de sortir la gamme complète pour Sweet Litchi. Maintenant, c'était une des gammes, je pense, avec Rose Mystique les plus demandées. Alors franchement, je comprends parce qu'elle est vraiment incroyable. Ça sent tellement bon, ça sent le propre mélangé au litchi, à la rose et aux fruits. Alors vraiment, celle-ci, gros coup de cœur. Donc profitez des moins 15%, je vais vous mettre mon code. Alors les filles, en bas de l'hôtel, il y a plusieurs restaurants. Loan, elle m'avait conseillé Baba Turc, mais Jamel, il veut manger italien, donc on va tester ce restaurant. Déjà, ça s'annonce bien parce qu'il y a les vrais fours, comme en Italie. À notre dernière soirée à Marrakech. Alors moi, les filles, j'ai pris une lasagne. Et Jamal a pris une pizza avec un coulant de burrata. Elle a l'air incroyable. Écoutez, on va goûter ça. On va vous dire si c'était bon. Hein.